Oui, monsieur. Sébastien Haller, oui, monsieur. Il a encore marqué ce soir. Face à Atlético de Madrid. Quand on vous dit que mettez le petit frère là. Mettez le petit frère au stade. Vous croyez qu'on est fou? Ne les laissez pas au banc. Sa place n'est pas au banc. Mettez le petit frère au stade. Vous croyez qu'on est fou? C'est un sac de joueurs que vous passez le temps à mettre au banc. Mettez le petit frère au stade. Vous pensez seulement qu'on est fou. Voilà ça aujourd'hui. À peine entré, il marque. Sébastien Haller. Même potentiel que Zlatan Ibrahimovic. Quand je regarde le petit frère là, Sébastien Haller. Quand je le regarde déjà, je sens le but. Le gars peut marquer avec tout. Même le zizi. Il marque avec tout. Les yeux, la tête, voilà, les chevelus, les pieds. Même avec son zizi, il marque. Il sent le but, le petit frère là. Il fait quoi sur le banc? Il fait quoi sur les bancs de touche? Pourquoi vous avez passé le temps à le mettre sur le banc de touche? Sa place n'est pas là-bas. Sébastien Haller a été toujours un tueur. C'est pas un renard de surface. Sébastien Haller est plus qu'un renard de surface. C'est un monstre. C'est un monstre. Il a le même potentiel. Il joue comme Zlatan Ibrahimovic. Sa place n'est pas sur le banc. Il est trop fort pour rester au banc. Il doit être titulaire indiscutable. Quel joueur là-bas à Dortmund a le potentiel de Sébastien Haller? Pourquoi vous mettez Sébastien Haller au banc à sa place? Quel joueur a le potentiel de Sébastien Haller pour mettre à chaque fois Sébastien Haller au banc? Il n'y a personne. C'est seulement à cause de votre malhonnêteté et de votre méchanceté. Sinon, le petit frère de Sébastien Haller, c'est un monstre. Normalement, Dortmund même, c'est un petit club pour lui. Il est juste venu à Dortmund pour vouloir progresser rapidement et peut-être partir au Real ou bien au Barça. Dortmund, c'est juste un club de passage. Il ne compte pas rester là-bas. Ne le manquez pas de respect comme ça. C'est juste un club de passage. Il va juste, voilà, continuer sa progression là-bas. Il voulait juste continuer sa progression pour qu'un grand club le détecte. Puisque Dortmund joue la Ligue des Champions et puis arrive deux fois peut-être en quart de finale ou demi-finale. C'est comme ça. C'était en fait la raison pour laquelle il est venu dans votre club. Il ne comptait pas rester là-bas. Il n'a jamais eu l'intention de rester là-bas. Il va quitter Dortmund. Parce que son talent est plus grand que celui de Dortmund. Voilà ça maintenant que la lumière de mon green light est partie. Je ferme la vidéo dans le magasin. Parce qu'il ne pouvait pas laisser passer l'affaire là. Il ne pouvait pas laisser passer l'affaire là. Sébastien Haller buteur. Oh, il fut une année. La Champions League, c'était le jardin de Sébastien Haller lorsqu'il jouait à l'Ajax. Il fut une année, lorsque Sébastien Haller était en forme, il performait avec l'Ajax. La Champions League, c'était son jardin. Pour que Dortmund puisse gagner les matchs, il devait mettre Sébastien Haller. Sébastien Haller fait quoi sur le banc de touche? En tout cas, d'abord même, il y a d'abord beaucoup de clubs en Angleterre qui le pistent. Donc, il lui manque juste quelques temps là-bas. Ensuite, il dégage. Il quitte là-bas Dortmund. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas, me donner de la force. Voilà, le nom de la chaîne YouTube, c'est Smith Brian Le Vrai. C'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube, vous tapez et vous vous abonnez pour me donner la force. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc le lien est en description et c'est aussi sur la bio.